Le 1er janvier ont eu lieu au Cap les obsèques de l'archevêque anglican Desmond Tutu. Nous savons quelle a été son implication il y a quelques années déjà dans la lutte contre l'apartheid, ce système de séparation entre les Noirs et les Blancs au sein d'un pays qui était très marqué par cette opposition entre les Noirs et les Blancs, dans un fonctionnement qui finalement ne respectait pas la dignité de toutes les personnes. Nous voyons là une belle figure qui quitte ce monde et nous espérons que le Seigneur le prenne en sa miséricorde pour qu'il puisse connaître la joie de ceux qui sont les amis de Dieu. Et nous voulons aussi garder le désir pour nous-mêmes d'être des artisans de paix, des artisans de la compréhension entre les différents peuples, entre les différentes classes sociales, entre les différents individus qui composent notre entourage. Simplement, merci, Monseigneur Desmond Tutu, pour ce que vous avez fait et que l'Afrique du Sud puisse vivre encore en paix longuement.